Bonjour! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui fait que l'été, lorsqu'il y a de la rosée, on constate que les gouttes d'eau restent en forme complète de gouttes sur la surface des feuilles? C'est grâce à un phénomène physique qu'on appelle la tension superficielle. Alors aujourd'hui, on va le démontrer. On va commencer par une petite expérience. J'ai pris une assiette, il y a un sou au centre de mon assiette et j'ai un petit peu d'eau avec mon compte-gouttes. Ce que je fais, c'est que je vais déposer de l'eau de plus en plus sur mon seau et se crée un dôme en fait. La tension superficielle, c'est lorsque les gouttes d'eau d'un fluide ont tendance à rester accrochées les unes aux autres. Alors j'ai commencé à le démontrer ici, n'est-ce pas? On a un petit dôme, l'eau ne veut pas déborder le long de mon seau. Maintenant, on va aller faire d'autres expériences. On va jouer avec la tension superficielle, avec les éléments qu'on a à la maison. Tout simplement, je prends du poivre, un coton-tige, du savon, et j'ai une assiette dans laquelle j'ai déjà déposé de l'eau. Je vais aussi saupoudrer du poivre à la surface. Et maintenant, je vais aller porter mon coton-tige qui aura une petite goutte de savon. Quand je dépose le coton-tige à la surface, on constate que la tension superficielle est brisée grâce aux propriétés du savon qui va en faire en sorte que les molécules d'eau s'écartent les unes des autres. Et voilà, le poivre coule ou s'écarte sur les côtés de mon assiette. Maintenant, on va continuer nos expérimentations, mais avec un autre liquide, avec du lait que j'ai déposé dans une assiette. J'ai aussi devant moi des colorants alimentaires. Vous pouvez prendre les couleurs de votre choix. J'ai aussi du savon à vaisselle, un peu mélangé avec de l'eau, et une ouate. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est déposer des gouttes de colorant dans mon lait. Vous pouvez en mettre au goût, hein. On peut en mettre beaucoup, aucun problème. Maintenant, je prends ma ouate et je vais bien l'imbiber dans le savon. On ne gêne pas, on veut qu'il y en ait beaucoup. Maintenant, je vais aller la déposer au centre de mon assiette. Et voilà, il y a une action qui se produit ici, c'est le fait que le savon vient briser la tension superficielle qu'il y avait à la surface du liquide parce que le savon, il va faire en sorte que le gras veut s'éloigner. Hein? Alors, les molécules se séparent les unes aux autres, ce qui libère toutes nos gouttes de colorant qu'on avait mis. Alors, ça fait de jolis motifs. Les enfants peuvent s'amuser bien longtemps avec ça. Je vous le promets. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui à propos de la tension superficielle, ça nous fait penser qu'il y en a aussi dans la nature. Si vous avez déjà remarqué, on voit qu'il y a certains lézards qui ont la faculté de courir tellement vite à la surface de l'eau, on a l'impression qu'ils volent à la surface de l'eau. Pourtant, c'est encore grâce à notre tension superficielle. Au Québec aussi, on peut voir certains insectes, par exemple le patineur. L'été, ils vont très vite à la surface et on a l'impression encore une fois qu'ils se déplacent là, presque sans contact. Mais c'est encore grâce à notre tension superficielle. Vous pourrez venir les voir au musée, on va vous en parler encore.